Bon, j'ai fait ça vite fait, hein, c'est vu. J'ai fait ça assez vite fait. Hop, on va masquer tout ça. Et capture de jeu. Comment allez-vous en ce 8 novembre 2022? Alors, est-ce que tu... Non? Si, oui, c'est bien. C'est très très bien. Tu vois, c'est marrant, vous l'avez pas en 60 FPS? Comment cela se fait-il? Par est-ce que vous m'entendez bien? Attendez, on va faire un petit test rapide. Rapidos, rapide. Comme l'éclair. Twitch. Hop. Ah là là. Oh, putain. Heureusement, j'ai fait vite. Alors, non, c'est pas ça. Accueil. Voilà, vous êtes en stream. Je sais, je sais. Gère le stream, voilà. Non, mais ta gueule, voilà, merci. Non, non, mais... Oh putain. Voilà. Voilà. 1, 2. 1, 2. Très bien. Parfaitement parfait. Voilà, alors je vais mettre... Voilà. On va mettre, tiens, celle-là. Oula, putain. Ouais, le son. Le son est pas que ça, celui-là, attendez. On va dire, on met celui-là. Voilà. Peut-être que vous entendiez un petit peu quand même. Avec ferveur. Allez, Marseille, ici, voilà. Alors, si je remonte ton son, c'est pas pour que. Voilà. Façon, si c'est trop fort, vous me le dites. Hein. Ouais, c'était un peu fort. Voilà. Oh, attends, attends, attends. Attends, attends. Ou alors plutôt... Non, attendez, attendez, attendez. On va faire un autre truc. Ça, je les garde pour le match. Musique libre de droit, parce que malheureusement, on est dans un monde où tu peux même pas utiliser de la musique. Voilà. Playlist, je suis à vous, vous inquiétez pas. Donc, calmez-vous, calmez-vous. Je sais que. Ouais, c'est très bien. C'est très très bien. Ah, Mozilla qui. Bon, c'est de la musique de merde, hein, vous m'excuserez, hein. Vous m'excuserez. Donc nous nous retrouvons sur FM 23 qui est sorti aujourd'hui. Aujourd'hui. Dans Game Pass. Ce qui est le cas depuis le 21, si je dis pas de bêtises. J'ai pas vérifié s'il y avait les packs de texture de mes couilles, je sais pas. Voilà, je sais pas du tout. On verra ça après. Donc c'est-à-dire qu'on n'aura pas les logos de certains clubs. On n'aura pas toutes les images des joueurs, des... Enfin, ça c'est casse-couille, ça. Peut-être un peu trop fort, là. Voilà. Bon, j'ai baissé mon son, parce que avoir de la musique, voilà. Tout bas, c'est bien, voilà. Donc, on va créer notre personnage. Donc, prénom Pietrus. Nom de famille Japan. Je suis un homme, je suis de nationalité française. Française. Sur nationalité, aucune. Alors, langue étrangère. Alors là, on va un peu tricher. On va un peu tricher. On va mettre. On va mettre anglais. On va mettre allemand. Et on va dire que je parle italien aussi. Ma che, je parle un peu italien. Hein, je vous l'ai montré dans CK3. Et ma che, italien. Voilà, parfait. Perfecto. Je sais même pas si on dit perfecto comme ça. Ah! CK3.
Alors, j'ai eu une bonne idée qui s'est avérée être une très mauvaise idée. Voilà, je me suis dit, comme on va beaucoup jouer à CK3, je me suis dit, putain, mais achète les DLC. J'ai fait très bonne idée. Et au moment où j'ai acheté les DLC, au moment où c'était téléchargé, j'ai fait, mais attends, si là je joue avec les DLC, donc j'aurais plus la partie avec les oursas. Aïe, 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 aïe. Ah, et c'est comme ça que malheureusement, les comptes oursas vont. Vont déjà se finir. Donc, en fait, il y avait un épisode 2 qui était déjà prêt, que j'avais fait en stream, que j'allais mettre sur la chaîne, puis je me suis dit, putain, ouais, mais en fait, ça sert à rien. En fait, ça sert strictement à rien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire une partie. Hein. Donc, j'ai fait une partie hier avec les nouveaux, avec le DLC. Bon, franchement, ça n'a pas apporté grand-chose. Hein. M'entendez bien, là? Ouais, vous m'entendez bien. Langue étrangère, apparemment, ça. Ça jamais, j'ai jamais su, mais en fait, ça permet de mieux se faire comprendre par les joueurs étrangers. Voilà. Surtout quand tu es dans un club étranger. Lieu de naissance. On va mettre Paris. Voilà. Pour rester vague. Date de naissance. Est-ce que je mets ma vraie date de naissance? Je vais mettre ma vraie date de naissance. Frère, on s'en fout, hein. Donc, je suis né le 9 janvier. Alors, pas 93, mais 92. Équipe favorite. Comme tout le monde le sait, mon équipe favorite, c'est bien sûr le Paris. Non, je plaisante. Hein. Hop. Où est-ce que tu es? Tu es là, le vrai Olympique. Le vrai Olympique. Par contre, on va mettre d'autres équipes. Parce que j'aime d'autres équipes. Voilà, donc déjà Everton. On va mettre juste, voilà, on va mettre juste ces deux clubs. Voilà, pas plus, pas moins. Niveau d'expérience, en savoir sur la base de l'entraînement d'une équipe. Les entraîneurs moins expérimentés ont le droit à une présentation des différents aspects de leur poste. Non. Style de jeu. Ah! Alors moi, je suis quelqu'un de. Alors. Ça, c'est le staff, hein, on est bien d'accord. Ok. Choisis l'équipe. Je peux la modifier. Ah, d'accord. J'ai la sélection du club. Hein. J'ai réussi un recrutement staff du club. Responsabilité de l'entraîneur. Ouais. Attends. Recrutement. Attribuer les affectations au recruteur. Oui. S'occupe des réunions de rue. Oui. Négociation. Négocie. Prête les joueurs ayant besoin de. Non. Il comptera des joueurs. Ouais. Pour l'instant, oui. Média. Oui. Entraînement. Alors, entraînement, non. Je m'occupe d'absolument rien. Voilà. Tactique, c'est moi. Oui. Jour de match, ok. Alors, recrutement du staff. Il y a besoin de suivre des. Ouais. Bah, c'est tout, hein. Bah, c'est tout. Ouais. C'est tout. Toute façon, on vérifiera s'il y a un problème. Non, mais arrête avec tes conneries, toi, là. Amon. Adjoint. Oh là. C'était. Ben non. On verra. Corps. Ah ok, c'est juste la couleur de peau. Bon. Voilà. Voilà. Taille. Je sais plus ma vraie taille. On va mettre 1m80, voilà, la base. Oula. Peut-être un peu haut, non? Ou sinon je peux faire un Tudor, hein. Je peux faire tout. Tudor, je sais plus quelle taille il fait. On va mettre 1m80, voilà. C'est pas tout. Type de corps, je suis un peu grassouillet, on va pas se cacher. Hop. Ouais. Voilà. Tête. Gérer 3D à partir de votre photo. Oui, ça marche très bien en plus, c'est le pire. Coiffure. 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 Ça, j'aurais peut-être dû le faire. J'aurais peut-être dû le faire tout seul, ça. Parce qu'à vrai dire, c'est pas intéressant en forme du visage.
c'est très bien. Pizuti facial. Ah bon, je suis acteur porno. Non. Tiens, c'est pas. Oh non, c'est dégueu ça. Non, ouais, très bien. Voilà. Lunettes. Non, annulé. Tenue. Alors, moi, j'aime bien les tenues un peu extravagantes, du genre de belles couleurs bien vives. Ah non, quand même pas, quand même pas. Pas... Un peu plus foncé. Parfait. Chemise blanche. Cravate rose, bien sûr. Hein, c'est très joli, c'est du très bon goût. Non, un petit rouge sympathique. Voilà. Pantalon, bah, de la même couleur que le haut. Ça n'a pas gardé. Si. Hop. Parfait. Chaussures noires. Accessoires. On s'en fout, ça. Allez, confirmé. Et voilà, Pietrus. Sur Football Manager 20, 2023. Bon, je vous ai pas expliqué, donc, comme dit le nom du stream, Marseille Champions Project, qui était le nom donné par McCourt. Si j'ai pas de... Alors là, si j'ai pas de bêtises, hein. Alors, malheureusement, mon ami Genji n'est pas là pour ce soir, il devait être là, mais au final, il n'est pas là. Donc, je vais peut-être sûrement dire des bêtises. Champions Project, qui était bien sûr le projet de Marseille en Ligue des Champions. Marseille, cette année, est en Ligue des Champions. Alors, il n'est plus à l'heure où je vous parle, hein. Il n'est plus depuis. Ah, déjà une semaine, hein? Déjà une semaine. Et nous, le but, c'est de faire mieux que Tudor. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Débuter une nouvelle partie? Ouais, attends, je vais peut-être faire les préférences. Ça, on verra ça après. Bah, les thèmes, il n'y a pas des masses pour l'instant. Oui. Très élevé. Volume. Bah, musique, non. Son du match. Comme le chant des supporters. Ça, on verra après. Ça, on verra. Le niveau des sous, c'est en euros? Putain, j'ai pas vu euros. C'est bien. Avancé. Bah, avancé, il n'y a rien de plus. Hein. Confirmé. Allez, c'est bon. Allez, c'est parti, mon kiki. Débute une nouvelle partie. Carrière en ligne, face à face, non, en carrière. Création de club, c'est très très long à faire. Ça, FIFA, ils le font très bien, ça, c'est pas compliqué, c'est très très bien. Création de club, c'est quand même assez chiant à faire. Carrière. Avec le plus grand club de France. Configuration avancée, donc. Voilà. Donc, nous allons mettre le championnat français national au-dessus. On va mettre même national 2. Skybeat, oui, Skybeat c'est très bien. Le belge, non. Ouais, on va le mettre, mais. Non, juste la première ligue belge. Non, suisse, non. Par contre, base, non, étendue. Donc, nous allons mettre les Allemands. Les Espagnols. Les Portugais. Faut en mettre les Pays-Bas. Oui, l'Ukraine, bien sûr. Hein. Bien sûr, l'Ukraine, qui est un acteur privilégié de l'OM, hein, c'est très connu. L'Italie. Et on va mettre. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Le Brésil, voilà. C'est bon? C'est bon. Là, bien sûr, ça a un peu baissé. C'est pour ça qu'on va faire. Ouais, première ligue. Ouais, première ligue aussi. Ah, peut-être pas Serie B. Non, peut-être deuxième division, par contre, ouais, première division. J'ai presque envie de virer les Belges. Hein. Les Belges, on s'en fout. Pas méchant, mais... Tiens, qu'est-ce que vous branlez tout seul, hein? Putain, rejoignez-nous, bordel de merde. Ouais. Vitesse de jeu 3, c'est quand même peu, hein. On va dire que c'est bon. Ne pas ajouter d'adjoint, non, divisé pour rien faire que tour, ça sûrement pas, non. Afficher d'attributs du joueur, c'est-à-dire. Le son qui permet de masquer certaines attributs ont été mis à la place car un entraîneur ne connaît pas forcément tous les joueurs en activité dans le monde.
écoute, c'est bon. Et enfin, début le 4-7-2022. Je crois que c'est la date la plus. 4-7-2022. Très bien. Parce qu'on peut, on peut le faire jusqu'au premier match de l'UEFA Europa Conference League. Ok. Oui, comme vous pouvez le voir, grosse nouveauté, ils ont eu les droits des coupes européennes. Et ça, bon Dieu que c'est que vous avez été sélectionné 19 championnats dans 8 nations la partie du. Ouais, début de la partie. Très très bien. Très très bien. Bon, le menu qui a pas changé, hein. Bon, on va dire que le menu. De toute façon, t'as des thèmes. Donc. T'as des thèmes qui sont faits par les joueurs. Puis je pense que je vais le faire, hein, parce que y a un thème que j'aime beaucoup. Que je prends quasiment tous les ans. C'est vrai que le thème de base, il est pas foufou. Il est pas. Ouais, c'est très très long, ouais. En plus, je stream, c'est très très long. Voilà, création de championnat, il coupe. Ouais, donc notre but, ce sera pas, bien sûr, de pas gagner la Ligue des Champions, c'est assez compliqué, mais c'est au moins d'aller en huitième. Déjà, ça serait très très bien. Par contre, je ne sais pas. Bah non, ça va être re. Ouais, si les poules sont les mêmes, bah non, ça va être complètement modifié. Parce qu'on va pas se cacher, on avait eu quand même une très très bonne poule, hein, avec Francfort. Bon, qui est quand même champion de l'Europa League, mais bon, t'avais quand même donc Feyenoord, Tottenham et qui s'appelle le Sporting. Voilà, c'est pas non plus, c'est voilà, c'est des grands clubs, mais qui étaient vraiment à notre portée. Et c'est assez dommage. C'est assez dommage. C'est très très long, hein. Peut-être que je mette un peu à jour mon PC aussi, ce serait bien aussi, parce que mon pauvre PC, ça fait un moment qu'il tourne sur cette config, ça lui ferait pas de mal à une petite mise à jour. Ça lui ferait pas mal. Est-ce que vous prêtez un joueur d'une période. Ah, je suis pas en train de lire. Si l'icône de condition d'un joueur est verte et au maximum, il est prêt à jouer avec 100% de ses moyens. S'il est rouge et réduit à son minimum, il est peu probable que le joueur ait la capacité de disputer le match. Alors, s'il peut le disputer, mais alors, à mon avis, pas très longtemps. Il a très 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 grosse chance de se blesser. Les jeunes joueurs peuvent être encadrés par des coéquipiers plus âgés en travaillant dans le même groupe à l'entraînement. Ça peut être pas. Ça, c'est ce qu'on fait souvent. Bon, là, c'est un peu long quand même. Ça va. Allez. Allez, allez l'OM. Allez, tu vas y arriver là-bas. Tu vas y arriver, t'es au bout, t'es au bout, t'es au bout. Voilà. Non, Pietro Japan, masculin, Paris. Quart de joueur automatique, c'est-à-dire. Refaites de manière appropriée la réputation des entraîneurs de la nation. Choisis votre réputation si tu veux. Quoi de modifié? Bah non, c'est pas ça. Non, attends. Corps, tête, tenue, accessoires, style d'entraînement. Ah, ok. On va dire que je suis un tacticien. On va dire que je suis un tacticien. Ouais, moyen. Je suis. Ah, bah ça se prend automatiquement. Très bien. Continue à le pro, international niveau global. Très bien, continuez. Vous débutez une partie avec d'autres joueurs? Non. Non, je suis pas très fan. Pas vous cacher, je suis pas très fan. Voilà! Japan recruté par l'Olympique de Marseille. Les dirigeants de l'OM ont confirmé aujourd'hui que Pietro Japan avait pris la tête de l'équipe. La nomination de l'entraîneur inexpérimenté de 30 ans a étonné plus d'un dans le monde du football. Les journalistes présents à sa première conférence de presse à Orange Vélodrome auront sans doute de nombreuses questions à lui poser. Japan a signé un contrat de 3 ans s'élevant à 53 000 euros. Alors, comme d'hab, le salaire, on s'en bat les couilles, hein. Ça ne change absolument rien que vous soyez payé 10 000, 50 000, 100 000. Japan va prendre la tête d'une des équipes de prédilection. À l'importance de cette nomination n'aura échappé à personne. Il succède à l'ancien entraîneur Igor Tudor, bah, qui sera resté bah, quelques jours, hein.
Japan n'a pas eu la réputation de spécialiste des titres remportés qui va le rendre les choses intéressantes étant donné les ambitions du club qui souhaite jouer des titres majeurs. Tu m'étonnes. Suivant. Voilà, donc là les cartes. Donc Paulo Longoria qui n'a pas sa tête. Ah, c'est dommage quand même, bordel, merde. Quand même, je crois que c'est le cas pour la plupart des présidents de tous les clubs. Hein. Bienvenue à l'OM, nous sommes heureux de vous accueillir au club. Un pack de bienvenue vous sera remis, détaillant l'ensemble des visions, des objectifs du club. Blablabla, c'est le jour de 4 ans, la mémoire, blablabla. Donc Marseille avec le maillot qui est à jour, ça c'est rigolo quand même. Niveau de réputation 4 sur 5, prévision des médias 2ème comme l'année dernière. Directeur Pablo Longoria, entraîneur du joueur Harry Vukas. Année création 1899, ennemi juré PSG. L'un des ennemis jurés, bien sûr. Hein. La prestation de l'équipe, donc nous avons fini deuxième. Non, attends. Ça doit venir. Attends. Attends, prestation de l'équipe, il m'a permis de. Ah oui, d'accord. Donc la saison dernière, on était deuxième en Ligue 1. En Coupe de France, on rentre directement en 9ème. Et en Champions League, nous rentrons en phase de poule. Infrastructure, donc l'Orange Vélodrome, avec 67 000 places. Ouf, construite en 1937, le centre d'entraînement Robert-Louis Dreyfus, extension d'entraînement, excellente structure de formation, recrutement correct, finance, statut saine, on va dire que c'est le cas, budget transfert 11 millions, c'est pas beaucoup, on va pas se cacher, budget salarial 5 millions, histoire de du club dont nous avons une Champions League, 9 Ligue 1, 10 Coupes de France, une Ligue 2, une Coupe de la Ligue, 3 Coupes de la Ligue, une Division A française groupe A, bah ça à mon avis c'était vraiment au tout début, 2 trophées des champions, 1 trophée des champions, d'accord, qu'est-ce que c'est que... D'accord, et une Coupe Charles Drago, ok. Grâce à une période particulièrement faste dans les années 90, et bien que n'ayant pas remporté le moindre de titre depuis 10 ans, l'OM a un palmarès qu'il ne faut pas négliger, pas moins de 29 trophées figurent au palmarès du club. Donc voici un aperçu, l'équipe, je vous ai déjà tout dit. Voilà. Suivant. Donc, là ça va être compliqué. Grand espoir de la merde, j'ai pas vu. Déterminé, d'accord. Oh putain, j'ai mal au... Ah, de la Fuente, grand espoir, bien sûr. Bien sûr, ce serait connu que de la Fuente est un grand espoir pour le club. Capitaine Dimitri Payet, ok. Luis Enrique qui est en cours de transfert à Bot pour 8 millions. Prêt Caboret qui a City. Ruben Blanco qui a Vigo. Ah non. Qu'est-ce que... Mais j'ai des conneries, mais non. Caboret qui vient de City, Blanco qui vient de Vigo. Ah, Vigo qui était... D'accord, il était prêté, Blanco, je crois qu'on l'avait acheté, comme quoi. Bailly qui vient de Manchester United, Tavares qui vient d'Arsenal. Harry qui vient du Shaq. Luis Enrique de Bot. Qui est parti, là, par contre. Stroutman qui est à Gênes depuis je sais pas combien d'années et on paye son salaire, c'est un scandale. Stroutman, c'est vraiment un scandale, hein. Je comprends pas, hein. Radonjić qui est au Torino et apparemment dans la vraie vie il s'y plaît très très bien. Paul Lirola qui est à Hesch. C'est assez dommage, Lirola. Qui avait fait une bonne année 2020 et en 21-22, bah ça n'a pas été le cas. Hein. C'était même très très compliqué. Conrad Fouette est pareil, qui est parti à Olympicos. Amavi qui est parti à Getafe. Emily qui est parti à Juventus, à la grande surprise générale. Qui est parti, je crois. Première semaine de Ligue 1. Et Oussama Targalin. Alors là, je sais pas qui c'est. Voilà, suivant. Donc, les objectifs. Donc, recruter des joueurs de moins de 23 ans pour l'avenir. Oui, c'est ce que je fais. Recruter des joueurs de moins de 23 ans pour l'équipe première. Oui, c'est ce que je fais aussi. Rester aux limites du budget. Bah oui, c'est mieux. Recruter des joueurs pour les vendre aux plus-values. Bah ça c'est ce qu'on va essayer. Contrat d'un an maximum pour les joueurs de plus de 32 ans. Je pense pas qu'on va acheter des joueurs de 32 ans, je vais pas te le cacher. 3 ans de contrat minimum pour les joueurs de l'équipe première. Se qualifier en Champions League. Donc faudra être forcément, si je dis pas de bêtises, deuxième en Ligue 1. Je vais vérifier. Je vais vérifier, mais je crois qu'en Ligue 1, il faut forcément que vous soyez deuxième. Ligue 1.
Classement. C'est ça. En fait, les deux premiers de Ligue 1 vont en Champions League, le troisième va en Europa League, le quatrième va en Conference League et le cinquième, je crois que c'est en barrage, je sais plus quoi. Enfin ouais, donc. Se qualifier. Ah, c'est Rocky, d'accord. Faut qu'on soit forcément deuxième. C'est obligatoire. Être compétitif en Champions League, qu'est-ce que ça veut dire être compétitif? Qu'est-ce que tu. Ouais, donc passer 8ème, je pense, Rocky. Jouer à Coupe de France, c'est préféré, mais c'est pas important. Travailler dans l'optique de se placer juste derrière les meilleures équipes, d'accord. D'accord. Devenir le meilleur club, les meilleurs. Oui, bah, c'est un peu le cas, non? Atteindre au moins la phase éliminatoire du UEFA Champions. Ok, d'accord. Eh ben, j'accepte. De toute façon, j'ai pas le choix. Alors, faut jouer un football offensif, parce que bon, c'est pas comme si l'OM sont. C'est pas comme si la doctrine de l'OM c'était droit au but. Se qualifier en Champions League. Ok. Ouais, j'ai compris. Être compétitif face au PSG. Ça, c'est marrant, ça. Ça, ils l'ont rajouté. Ça peut pas être qu'avant. Terminer au-dessus de l'OL. C'est marrant, ça, putain. C'est trop bien. Terminer au-dessus de Montpellier en championnat. Ouais, j'sais pas. Montpellier, c'est pas vraiment notre concurrent. T'as au-dessus de Monaco. Ça, oui, c'est un concurrent. Nice qui devient. Ouais, pareil. C'est très bien. Pour terminer, merci de bien vouloir indiquer suggestion. Organiser une conférence de presse. On va faire une conférence de presse. On va organiser un match, une réunion toutes les semaines, oui, confirmé. Premier sauvegarde. Voilà. C'est parti. Donc les joueurs dans les dernières années de contrat. Kolasinac. Ah bon? Kolasinac que je. Personnellement, je suis pas très fan. On va pas se cacher. 16 en vitesse, putain. Qui était physique 18. Puissance 17. Accélération 14. Centre 10, c'est peu. Dribble 11, c'est peu. Agressivité, détermination 17, c'est très bien. Courage 18, très bien. Marquage 13, bon, c'est dommage. C'est très très dommage. Très trop mal. Ah, oui, Sanchez. Ah, oui, c'est vrai que Sanchez, putain. A signé un contrat, Strootman, putain Strootman, bordel de merde. Pas le niveau suffisant, bah tu m'étonnes. Merde, Gibran, et ouais, ça a commencé. Je commence à faire des conneries, donc dispo transfert. On peut pas proposer au club, voilà. Négociable, oui, c'est négociable, voilà. Indésirable, parfait, proposé au club. Ça c'est fait. Radonjić, ça me fait de la peine, Radonjić. Vraiment, ça me fait vraiment, vraiment, vraiment de la peine. Ça me fait vraiment de la peine. Hugo Bertoli. Ouais, il est pas ouf, il a quel âge? 18 ans. Découragé, club intéressé. Bah non, franchement. Bertoli. Bon, ça ok, ça ok. Ça ok, bon, tout ça c'est ok. Un niveau pour être dans l'équipe. Lukoki, pardon. Putain, par contre, c'est chiant qu'ils ont vraiment pas. Bon, après, Lukoki, pas de cachet, je sais même pas à quoi il ressemble. Je ne l'ai jamais entendu parler. Trois, et peut-être. Oui, alors, parce que je vous rappelle, trois étoiles, c'est sûr. Et en fait, quand c'est grisé, c'est peut-être sûr. Voilà, c'est. Il peut. Ça ferait un attaquant, ce serait pas mal. C'est vrai que les attaquants, on n'a pas. Je demandais au. Ouais. Non, m'affiche plus, voilà. Nassim Ahmed, non. Oh là, mais Camardin, mais ça fait combien de temps qu'on l'a, lui? Oh. On s'en fout. Strootman, on l'a foutu. Ça me fait chier. Ça me fait chier, Kolasinac.
Il a combien en 91 000 euros? Non mais, non mais. Je sais pas si vous venez de voir Strootman. Voilà. Voilà, je dis ça, hein. Je dis ça. Alexis Sanchez, voilà, qui est la star de l'équipe. Voilà. C'est tout. Je dis que ça. Bon, allez, Bertelli, et puis on va le foutre en prêt. Voilà, on va essayer de. Puis les autres, on verra. Voilà. Après, tactique ça, on fait après. Ah, mise à jour du profil des supporters. Ah, putain, c'est trop drôle ça. Je vous transmets un rapport qui vous présente le profil des supporters et leur attente. Je vous enverrai également une mise à jour. Ça, c'est très très drôle ça. D'accord. C'est ça aussi, ils l'ont mis. Influence des supporters auprès des dirigeants moyens, médias sociaux, 2 millions de followers. Bon. Bon, c'est tout. Pas beaucoup. Abonnés 45 000 supporters. Liste d'attente pour un abonnement 67 000 supporters. D'accord. Donc, nous avons 9% d'ultra, 35 réguliers, 19 familiaux, 18 footix, 3 VIP et 16 occasionnels. D'accord. Réunion, vision. Ouais, non, mais j'accepte. Je négocie pas. Précision, ok. Donc, on jouera les deuxièmes. Ouais, d'accord. Créteil, Lucide. Ouais, d'accord. FC Porto, c'est tic. Ok. Mise à jour des blessures. D'accord. Règles. Ok, on s'en fout. Mercato en cours. Plus gros dépensier le PSG avec 145 millions d'euros. Tout à fait normal. Le plus arrivé, le Mans avec 20 joueurs. La vache. Le plus de départ PSG avec 40 joueurs. La vache. Tu as Mini qui est parti de Monaco à Madrid. Ouais. Et pousse Paqueta. De l'OL à l'West Ham. Ok. La tactique. La tactique. Et là, c'est très compliqué. Quelle tactique on va faire? Est-ce qu'on fait plutôt un tiki-taka vertical dans la possession? Ce qui est un peu le. Course très intense. On va faire un GG de presse. Voilà. Et c'est là le problème. C'est là qu'arrivent les problèmes. Non, on va faire. Attends. On va faire ma propre tactique. Non, ah oh là là, ça commence. Créez votre premier propre tactique. Je confirme. Voilà tous les joueurs qu'on a. Me dis pas qu'il met aussi. Putain, ça c'est casse-couille. Vous pouvez pas virer les. Putain. Non mais s'il te plaît, mais pas les. En pré-wallet, c'est bah ouais, s'il te plaît, merci. Ah mais ça mais. Oh là là là. Qu'est-ce qu'ils sont cons? Attends, indisponible. Voilà. Très bien. Comme ça enlève les. Ça laisse les joueurs qui sont en prêt, mais chez nous. Mais pas chez les autres. Alors. Bon, déjà au but, il n'y a pas. Il n'y a pas photo. Lopez. Lopez qui joue très très bien. L'année dernière, c'était compliqué, mais je pense surtout c'est parce qu'il y avait bah, Mandanda qui était à côté de lui. Et quand t'as Mandanda à côté de toi, qui est un pilier du club, bah ça fait un peu. T'es pas très chaud. Gardien libéraux, c'est vrai que c'est plutôt un. Plus prudent, mais on sera tout de même de contre-attaque lorsque l'occasion se présentera. Non, 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 tu vas même jouer. Soutien. Et là, c'est le problème. Est-ce que nous passons, comme c'est le cas, une défense à 3, dans la vraie vie, ou est-ce qu'on passe plutôt à 4, à une défense à 4? Parce que le problème, c'est que nous avons Klaus. Ah, Mbemba qui peut jouer. Attends, Mbemba, il est où? Ouais, Mbemba, c'est un. Ouais. Oui, que Mbemba, il a un très. Oh non, 9, non. Non. Ah non, 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 non. Non, je suis désolé, non. Non, il a pas 9. Non. Non, non. Non, je crois pas, non. Non, il a pas 9, non.
Non mais 9 MB, non mais quel scandale, quel scandale. Ah non, justement, je pense même MB c'est même un c'est. Enfin, je sais pas ce que pense. Je sais pas ce que pense Regenji, mais non. Non, je pense que MB 15, 16. Ouais, il a des belles stats, Klaus. Hein. Il a de très belles stats. Et Nuno Tavares, le fameux Nuno Tavares, qui n'a pas de photo. Il y a combien de finitions? 8. Et tir de loin? 11. Ouais. Ok, 22 ans. Parce que le problème, c'est que si on fait ça, on pourrait même presque dire qu'il joue comme ça. Hein. On pourrait même presque dire qu'il joue comme ça. Hein. Parce que actuellement, nous jouons comme ça. Je suis arrivé. C'est ça, nous jouons comme ça. Ah, on peut passer. Nous jouons comme ça actuellement. Voilà. Théoriquement, comme ça. Mais dans les faits, plutôt comme ça. On pourrait même presque dire. On pourrait même presque dire qu'on nous jouons comme ça. Mais alors là, bon, ça. Mais non. On va dire que ouais, ce serait plus comme ça. On va descendre d'un coup, parce que ouais, théoriquement, c'est plus comme ça. Donc, Klaus. Mbemba, ouais. Il n'y en a personne d'autre. Si t'as Kaboré. Et comme vous l'avez vu à Tottenham, c'était immonde. Hein, parce que Kaboré, il a quel âge? Ah, il a 21 ans. Ah, bah, il serait peut-être temps de se poser des questions, mon grand. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Bon, déjà sur Klaus, à droite. Il n'y a pas de débat. Bon, bah à droite. Maggie. Là, monte. Allez, monte. Hop, dépêche-toi. Bon, à gauche, Kolasinac, Tavares. Ouais, quoi. Kolasinac, comment expliquer? Bah t'as 29 ans en fait. Bon mais c'est encore assez rapide. Putain j'ai mal au cou bordel. En fait je me rapproche pour parler fort dans le micro mais ça peut... ça sert à rien. Kolasinac. Non ouais, mais Nuno Tavares est quand même meilleur. Hein. La défense. Bailly, Gigot, Mbemba, Balerdi, Kolasinac. On a quand même un certain... ouais c'est vrai que... Ouais, quoi, Zina, tu vois. En fait, t'as personne à gauche, quoi. En fait, ce serait presque. Bailly. Ah, Gigot, comment expliquer? Marquage 16. Putain, c'est bien ça. Putain, ils ont 18. Inspiration 16. Ça, c'est bien ça. Et Bailly, quand il est pas blessé, hein, bien sûr. Ouais, Bailly, oh, il a des belles stats, putain. Il a des belles stats. Ouais, on pourrait mettre. Ouais, Mbemba et Kolasinac en... Ouais, en remplacement. Balerdi. Bah, Balerdi, je suis désolé. Quoique, en ce moment, c'est un peu mieux, mais ouais, t'as pas le niveau, je suis désolé. Hein. Pas méchant, hein. Pourquoi tu mets plus les... Bah, pourquoi tu mets plus les résumés? Très talentueux. Bah, pourquoi il met plus les... Oh là, ça c'est bien ça, putain. Pourquoi vous mettez plus les logos? Bah. D'accord. Projet à court terme. Ouais. Reconnaît pas avoir une grande place de son cercle d'amis, ouais. C'est cool qu'il mette pas les facteurs positifs et les facteurs négatifs comme avant dans les... Enfin, je trouve ça tellement... Je sais pas, je trouve ça tellement... logique. Et bon, je suis pas développeur chez... Chez... Merde, je sais plus comment s'appelle les...
Donc on partirait sur une défense à 4. Façon, tout va se jouer à... Je vais voir. Sanchez. Sanchez qui considérait quoi comme atta un attaquant avancé? Ouais, plus... Il y a un attaquant en retrait. Attaquant avancé? Ouais, technique, contrôle, ouais. Ouais, donc on mettrait un Sanchez et on mettrait... Alors, Payet n'est pas attaquant, hein. Wouah! Non! Ah ouais, 2 étoiles! 2 étoiles et demie, bon bah dieng! Oh là, c'est chaud! Oui, Suarez. Oh, ok. Ah là, mais quel... Ah là, bah oui, mettez... Ah oh, ouais, mais mettez plus de ça pour que vous êtes sûr que vous n'êtes pas trompé de ce reste par hasard? Ouais, donc, Sanchez. Ouais, au final... compliqué. Donc on jouerait avec un Gerson. Et un Payet. Payet qui serait plus un... Oui, mieux offensif, oui. Soutien. Ah, là, encore des belles stats, hein. Wouah! Et Gerson. Contre 2 balles, passe 15. Ah, il a que 13 en collectif. Que 13 en collectif. Oh, mon heure de jeu avancé serait pas mal en soutien. On n'a pas de milieu on n'a pas de milieu défensif. Oh, rongé, ouais. Parce qu'après, nous avons Veretout et nous avons alors soit Guendouzi, soit Rongier. Mon pape gay, non, parce que j'ai pas envie de vomir, je suis désolé, hein. Veretout. Pas de photo comme par hasard, hein. Veretout. Plus un Mezzala, ouais. Truc Mezzala serait pas mal pour lui. Ouais, ça serait pas mal. Mezzala. Guendouzi. Un petit milieu récupérateur. Voilà. En soutien. Ouais, mais si je mets rongé, après j'aurai personne pour remplacer, ouais. Ouais, ce serait pas si... Ouais, mais bon, c'est fait... Ça veut dire que je retrouve deux latéraux de changement en fait. C'est ça que tu es en train de me dire en fait. Préfère être dans une formation à 2 joueurs, ouais bah. Pas de côté préféré. Et à droite ou au centre dans une formation à 3. Je vais te mettre au centre. Ouais, parce que Mbemba quand même, il a...
Pas mal comme ça. Pas mal. Je sais jamais ce qu'il faut mettre, putain. C'est vrai, c'est joué de dégager des ballons dangereux. Quelle autre mission d'envoyer des longs ballons devant à partir de la défense afin de créer des occasions de contre-attaque? Ça serait pas mal ça. Le défenseur relanceur se positionnera un peu plus bas et acceptera les ouvertures adverses derrière la ligne défensive. Il cherchera à faire échouer les attaques à verre. Ouais, excentré, ouais, c'est pour. Toi, ce serait pas mal excentré, enfant. Fille. Ouais, peut-être pas quand même, pas ce point-là, non? Pas quand même à ce point-là. Défenseur central excentré a également pour mission de rester désaxé lorsque son équipe a le ballon et le soutenir au milieu de terrain davantage comme un arrière latéral. Pas à ce point-là non plus, je dirais. Non, c'est. Non, là, c'est beaucoup trop. Là, c'est beaucoup trop. Attendez, je sais pas si on peut le remettre. Moi, ce que je vois plutôt, c'est. Voilà, là, c'est très bien. Là, il devrait pas être trop. Voilà, là, il est. Ouais, bah là, c'est foutu. Là, c'est foutu. Là, grand maximum, quoi. Là, c'est grand maximum. Là, il est vraiment trop en avant et trop sur le côté. Là, en contre-attaque, t'es mort. T'es mort. Non, là, c'est parfait, là. Là, tu restes ici, pas plus bas, quoi. Et pas plus haut non plus. Dans un poste excentré, dans une ligne à 3. D'accord. Défense centrale. Rester excentré. Bah non. Voilà. Puis lui, on va le mettre en défense centrale, défense, parfait. Par contre, vous êtes très important. Vous avez monté davantage. Après, quand vous montez davantage, décrochez plus souvent, restez excentré. Ouais. Vous êtes limite des milieux. Ok. Parfait. Parfait. Ouais, sauf que toi, je vais te demander. Alors, attends, non. Comment on fait déjà? Je m'en souviens plus, ça y est, je suis perdu. Je suis perdu. Non, c'est pas ça. On va y arriver, vous inquiétez pas. Comment tu fais pour donner des consignes? Ouais, consignes. Tu vas frapper. Ouais. Toujours de conserver le plus souvent possible leur positionnement de départ en décrochant rarement. Ouais, non, ralentir le rythme. Non. Toi, je reste excentré. Voilà. Par contre, Gerson, toi, c'est tout le contraire. C'est pas ça. Toi, Gerson, c'est tout le contraire. Tu tires moins souvent, ouais. Ouais, tu prends plus de risques, ouais. Tu prends le couloir. C'est bien. Parfait. Parfait. Mentalité plutôt positive. Avec le ballon. Non, on est plutôt axial. Doublement intérieur, mais non, gauche, plutôt gauche sur l'axe, ouais, centré de loin, centre varié, oui, les passes un peu plus courtes, rythme un peu plus élevé, gagne du temps jamais.
Transition. Regroupez-vous, contrer. Non, effectuez un contre-pressing, coup contré. Relance rapide. Sur les attaques en pivot. Longue. Non, temps. Ouais, non, plutôt. Ouais. Longue relance à la main, ouais. Sans ballon. Non, par contre, nous allons presser haut. Ah, on peut pas presser plus haut? Tu vois, c'est marrant ça. Bah. Ah, d'accord. Empêcher les courtes, ouais. Non, par contre, le pressing beaucoup plus souvent. On va pas dire rester plus haut. Ligne défensive. Oh là, attends, ça c'est nouveau ça. Rester plus haut. Incite les défenseurs à exercer le pressing plus haut sur le terrain afin de réduire les espaces au milieu devant eux et ainsi laisser moins d'opportunités aux joueurs adverses avec le ballon. Cependant, inciter l'équipe adverse à envoyer des longs ballons par-dessus la défense. Ça, oui, ça c'est un problème. Lorsque. On va demander à rester plus bas. Presser vers l'axe. Presser vers les côtés. Ça, c'est nouveau aussi. Ce que le ballon soit redirigé dans les zones excentrées. Oh, redirigé dans les zones axiales pour mieux. Attends. Se rediriger dans les zones axiales pour mieux exploiter une fois récupéré. Ouais, plutôt axial. C'est le problème, c'est que. C'est ça. C'est le problème comme nos. Oui, on va essayer ça. Pressing sur le centre. Empêcher de centrer, laisser centrer. C'est pas. C'est pas très grave ça. Voilà. C'est bon? Tout est bon au cochon? Tout est bon, cochon. Ensuite, on va faire une. Non, bah c'est tout. Non, c'est bon, parfait. Très bien. C'est très bien. Donc, mes remplaçants, Balerdi. Bah, Poisson Caboret, Poisson Kolasinac, Rongier. Under? Under, qu'est-ce qu'ils ont mis comme under? 3,5. Ailier, ouais, mais non. Non, faut que t'arrêtes d'être ailier, mon pauvre. Je sais, c'est casse-pied. C'est assez casse-pied, mais ouais, faut que tu te. Ouais, j'ai même presque envie de le vendre under. J'ai presque envie de le vendre. Parce que. Il va pas être utile dans notre système de jeu sec, une casse-pieds. Qui me casse un peu les pieds. Harit, ça peut être pareil, ça peut être un bon MOC, il nous prouve dans la vraie vie. Hein. Dieng, sur Harit, ça te fait enculer. C'est tout, pas plus. Attends, c'est combien de remplacements on a droit en Ligue 1, attends, normalement ils nous disent. Ah ouais, merci. Ouais, on va essayer comme ça. Alors, par contre, Under, ouais. Tout, 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 tout. Attends, comment on peut. Je discuter. Non. Non, 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 non. Y a pas un. Rapport, voilà. Avec beaucoup d'expérience, bah ouais. Du mal sur une place au sein, la faiblesse de son jeu de tête, ouais, pas très intelligent sur le terrain. Ça c'est vrai, ce bleu ça sert régulièrement. Oh, bon, bon, bon. Bah c'est régulier. Payette.
Qu'est-ce qu'il nous dit sur Payet? Très bon tireur de penalty, a une grande expérience internationale. Grande expérience internationale, oui, pas très grande non plus. S'entend bien que la majorité des joueurs est à l'aise au moins deux postes, possède une très bonne technique, surtout une frappe de balle. Grand joueur de la plupart des clubs de Ligue 1. Ok. Pour se convertir en milieu axial, il réussit à effectuer une prestation correcte à l'entraînement ces derniers temps. Et le gros maire est relativement ambitieux. Sa faiblesse de son jeu l'empêche d'être. Oui. D'accord. Gerson, qu'est-ce qu'ils disent? Ouais. Façon, on verra. On verra, on verra. Allez, on avance. Pas d'offre de. Ne sait pas faire une offre pour. Tu m'étonnes. Modification, ouais. Cet entraînement, je le fais jamais. Hein. J'ai envoyé suivre une formation de linguistique intensive. Oui. Joueur à gros potentiel. Oui. Oui. Non. Gabe, bien sûr que. Oui, si tu veux. Ouais, bah, si, oui, bah, c'est bien. Oh putain, oui, le staff! Ah! Non, sujet suivant. Je m'occuperai après ça. Je m'occuperai après. Ok, donc en fait, il s'est rien passé. Le staff. Oh là là là, c'est horrible le staff. C'est très très long, c'est très très chiant. Mais il faut le faire. Responsable de formation des jeunes, à quoi il ressemble? Ça va. De toute façon, on n'a pas les sous, donc on peut pas se permettre d'être trop. On va donc il nous faut 8, 8, 9. Donc il faudrait un mec en attaquant. Ouais, on va mettre deux mecs en attaquant et défense. Ok. Donc il nous faut deux. De staff. Nouvelle recherche. Fonction. Entraînement. Préparateur. Attribut. Préparateur, préparateur. Défense tactique. On va 20. On va baisser. Peut-être 4 sur 5. Baisser, baisser. Peut-être pas baisser. Voilà, parfait. Ok. 58 ans. Ok, Daniel. Défensif, mental, capacité. Très bien. Italien. Proposer un contrat. Ok. Parfait. Et de 1. Préparateur. Tactique mentale. Allez, c'est bon. J'avais pas vu. Putain, j'avais pas vu. Oh. Le fils de pute. Attends, c'est quoi le contrat qu'on lui a fait? Préparateur, ok. Ouais, je suis. Ouais, très bien, c'est bien. 18 ans, oh, très bien, toi. Préparateur, 27 000, très bien. Parce que, attends, j'ai pas d'adjoint? Faut croire que non. J'ai pas d'adjoint. Ah si, c'est lui, c'est Croate. Qui est pas ouf. Qui est pas ouf du tout. Ok. Analyse des performances. Oh. Oh, ça va. Hein. Recruteur, on en a un trop. On va en virer un. Ce qui est moins bon. Lui, ça va. Là, ça va. C'est bien. Merde, j'ai repris le même, je crois. Non, non, ça va aussi.
Ouais, c'est pas si mal. Lui, non. Hop. Résilient à l'amiable, oui. Voilà. Analyse de recrutement. Ça, ouais. Pourquoi on n'en a pas, ça? Recherche de staff. Modifier. Hop. Analyse de recrutement. Hop. Ignite 2. On va mettre le 2. Souhaitez-vous créer une recherche afin que ça vous permette d'effectuer... Non, bah non, s'il te plaît, non. Je suis en train de le faire, donc t'es gentil. Ah, une personne. Parfait. Responsable d'analyse de performance. Alors attends. Putain, c'est mal foutu aussi. Staff. Bah non, 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 je sais pas ce qui... Pourquoi tu veux ça? Pourquoi tu veux responsable des analyses de performance, je sais pas quoi là? Non. Toi, tu vas être analyse des recrutements. C'est pas mal, c'est déjà pas mal. Par contre, t'es mignon. Non, ok. T'es un vieux con, tu me casses les couilles, c'est très bien. Hop. Rowan Schroeder. Rowan Schroeder qui veut être quoi? Directeur sportif, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Je pense pas qu'il voudra, hein. Tu m'étonnes. Au pire, c'est pas ce qu'on va faire. On va pas chercher la bite. Passer annonce. Analyse de recrutement. Puis voilà. Ok, donc là ça va pas bien. Équipe médicale ça va pas bien. Tu m'étonnes qu'on a des blessés. Responsable des kinés. Est-ce qu'on peut avoir plus de kinés s'il vous plaît? Olympique 2, je m'en bats les couilles. Non, ok. Il nous faut deux kinés. Chercheur sur ce. Okay. Responsable des kinés déjà. Responsable des kinés. Responsable des kinés. Kiné. Attribut. Médical, responsable de kiné. Tout ça 20, s'il te plaît. 1 sur 1, parfait. Un mec qui est libre. Toi, t'es libre. 51 ans, parfait, italien. Voilà. Ensuite, un responsable des sciences des sports. Responsable des sciences et sports. Je rentre sciences et sports, mais sauf qu'il suit, il sera responsable. Sciences et sports, 20, ok. Personne à 20? 18. Ah. Philippe Jacobsen. Ok. Responsable des sciences et sports. Parfait, parfait, bah très bien. On va peut-être un peu baisser, on va mettre à 34. 36, allez, 36 tout pile. T'es gentil. Merci le boche. Il nous faut deux kinés. Attends, chercher en sciences des sports. Attends. C'est quoi que j'ai fait, putain? Attends. C'est quoi le contrat que je lui ai fait? Changer. Responsable des sciences des sports. Responsable des sciences des sports. Responsable des sciences des sports. Ok, donc il nous faut un chercheur des sports. On va prendre l'autre. Du contrat. Bah non, non, désolé mon grand, mais c'est déjà pris. Tu vas juste le chercheur des sports. À mon avis, il voudra pas. À mon avis, il va me faire la gueule. Non. Eh non. Non. Salaire. Ouais, bah non. Il t'amère un peu. 16. Observer, mais il est libre lui. Proposer. Chercher en santé sport. Eh ben parfait. Parfait, parfait. Maintenant il nous faut des kinés. Oh putain, j'ai mal au dos, bordel! Kiné. Choisir.
Ah, ça, c'est vraiment le plus chiant dans FM, c'est quand tu commences une partie, tu dois refaire tout ton stuff. Il y en a beaucoup qui sont à 20 et qui sont libres, comme lui par exemple. Puis c'est un Français qui naît, parfait. Et on va prendre la deuxième. Lui, il est libre. C'est un Italien qui naît, parfait, parfait. Et ben parfait, parfait, parfait. Ah oui, c'est vrai que... Oh, putain, on était presque à la moyenne la plus faible du Ligue 1 quand même. C'est chaud. Bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont partis aussi à la retraite ou... Ouais, je pense que c'est surtout ça. J'ai plus de musique. C'est-à-dire que la musique elle est pas forte là. Hop là, voilà, bah on peut avancer. Ah, on a une boîte, qu'est-ce qu'il y a? Mesure à prendre. On s'en fout. Accepte la résiliation. Ah, 160 000. Eh ben, confirmé. Pas besoin de recruteur de... Ah, tada, stop, 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 stop. Ah, trop tard. Coup dur dans la préparation de Rongier. Oh, non, non. J'ai la naissance de ce... Ah, ça va. Ça va, ça va. Bah, les couilles. Bah, les couilles. Alors, recrutement. Ta gueule. J'ai dit ta gueule. Ouais, tu me fais faire des conneries le jeu. Oh là, ah ouais, oh ça a changé. Oh là, ça a changé, me vieille. Oh là, qu'est-ce qui s'est passé? Non. Bah oui, qu'est-ce que tu fous en Belgique? Ah, d'accord, c'est les trucs ciblés. Brésil, France, Ligue 1. Wow, cool. Niveau actuel pendant. Ans, priorité. C'est quoi? Changer ses priorités. Ouais, c'est une priorité. Oui, en effet, c'est une priorité. La recherche. Putain, il nous faut. Il nous faut des remplacements. Je vais mettre R, des remplacements de. J'ai pas le temps, eh ben. Je mets piston rang. Voilà. Transfert est prêt, très bien. Bah moi je. Ouais, mais c'est pareil, potentiel. Quel rôle? On s'en fout. On s'en fout. Confirmé. Putain, c'est bien fait ça! C'est pas mal fait. Monde ou oui monde. Plus cher, ouais, c'est pas mal fait. Ouais, c'est surtout ça qu'on a besoin en fait. On n'a pas besoin de plus, hein. Après tous les postes de ça, transfert et tactique. Pays. Pays. Attends, je peux pas modifier? Ouais, mais attends, comment tu fais? Non, minimum, voilà. Pas plus de 26 ans. C'est pas une priorité. Nationalité. Espagnol, ouais. Voilà. Ça met des L, je sais pas. Ah oui, toi, c'est tous les postes. Ah non, 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 mais tous les postes de la tactique. S'il te plaît, réfléchis un peu, Mauvier. Non, par contre, niveau actuel, non, tu. Je sais pas. Pourquoi je peux pas modifier ça? 50 ans, non? Bah, pourquoi je peux plus. Eh ben. D'accord. Non! Oh! Putain, France. Genre si je modifie un truc, c'est... Ouais, niveau actuel. 28 ans. Continue.
Bon, après, tu peux plus. Ouais, c'est marrant, ça, c'est. Ouais, tu. Enfin, tu peux ri plus rien toucher, ouais, c'est. Ok. Ouais, je peux même pas confirmer. Ok. Là. C'est curieux ce truc. Ah mais attends, c'est complètement con. Attends, après ça me modifie. Attends, c'est. Oh c'est. Attends, ça peut être la merde ton truc là! Attends, c'est de la merde! Attends. Amérique du Sud, Brésil. Tous les postes de tactique, ok. Transfert est prêt, ouais, c'est bien. Donc pas 50 ans, voilà, confirmé. Ah ouais, mais attends, oui, mais. Là, je vais péter un câble par contre. Là, vous commencez à me courir sur l'haricot magique, hein, je vous le dis. Hein. C'est espagnol, ok, confirmé donc. Espagne. Confirmé. Bah, ça, je l'ai modifié, je suis pas fou, putain. 26, ok. Donc là, ce sera français. C'est moi qui les ai plantés! Nationalité français, oui. Donc attends, je vérifie quand même parce que. Voilà. France. Après, on peut faire la même chose, mais Ligue 1. Attends, ça c'est quoi ça? Où est-ce que je peux former? Chance. Contrat? Non, mais non. Chance, former au pays, réputation. Former au pays, chance de. Bah, qu'est-ce que c'est que cette merde? Compétition. Ouais, compétition. France, Ligue 1. Confirmé. Et j'ai pas changé, comme un gros con que je suis. Ligue 1. Et ça, c'était quoi? Ça, c'était. Ah, c'est espagnol. Ah non, mais non, c'est sûr espagnol. Ah non. Ah! D'accord. Ce sera Liga. Non, putain, bah, attends, c'est. Attends, c'est comment la Liga Je suis pas fou. Ah oui. Je ne sais plus écrire. Liga, tout simplement, voilà. Domaine, choisir le domaine. Compétition Europe, c'est pas ça, c'est Europe. Voilà, c'est pas. Ben non.
cinglé ou quoi, attends? Ah oui, d'accord, ok, première division. Je suis un peu con, hein, vous m'excuserez, hein. J'ai mis deux domaines, pourquoi j'ai mis deux domaines? Oh là 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 là, mais au secours, hein. Eh non! Tu m'enlèves, voilà, confirmé, confirmé. C'est quoi DL déjà? C'est Espagne. On y arrive, on y arrive. On y arrive, putain, on y arrive. Ok, c'est bon. Continuez. Pendant 2-3 semaines, ça c'est... Alors, le code de conduite. Vas-y, fais-moi un... Ok. Ah, c'est entraînement une première fois, une demi-journée. Très bien. Moi, je rétrograde carrément le joueur, hein. Absent du club par jour. Accumulation de jaune. Journée. Ouais, parfait. Bon, une semaine. Ah, si tu vois, une demi-semaine, une semaine. Directement 2 semaines là. Ah, c'est deuxième. Ah, attends. Ah oui, c'est accumulation de jaune. Ok, une jour. Oh, pff, non, c'est dur, c'est dur. Avertissement. Une journée. Une semaine de ce. Voilà. Expulsé sur deuxième jaune. Ouais. Ouais, une journée. Demi. Une, 2 semaines. Par couche, ouais. 2 semaines. Confirmé. Voir ce que ça donne. J'établis un rapport des joueurs actuellement en prêt. Ok. Luis Enrique, ok. 24. C'est quoi le bot? Ah, il est parti au Brésil! Ah oui, c'est pour ça que c'est pas terminé en fait, d'accord. Donc on est prêt pour Touré. Oh, Isaac Touré. Attends, il fait quelle taille, Isaac Touré, en vrai? Attribut. Pas cet œil. Il n'y a pas cette taille, putain. Ou alors je suis complètement aveugle. Je suis aveugle. Isaac Touré, ouais, il est juste un jeune joueur. Hein. Il partirait. Ah, Valence. C'est bien ça, c'est Valence. Valencienne, pardon. Oui, c'est pas Valence. Prime mensuelle utilisée. Ouais, s'il te plaît, t'es pas non plus. C'est bon, tu as pas non plus. Bah, ça serait zéro, quoi, serait mieux. En fait, le mieux, ce serait qu'il joue au maximum. Par contre, ouais, vous pouvez pas. Sérieusement? Genre de rotation. Non, je veux qu'il soit régulier. C'est faux, ça. C'est quoi? Je suis même prêt à payer moins cher, mais si tu me fais régulier. Parfait. Oula, on peut faire là, non? Voilà. C'est un peu. Voilà. La dynamique, Dimitri Payet, Rongier et Sanchez qui sont leaders d'équipe. Mbemba qui est très influent alors qu'il vient d'arriver, si je dis pas de bêtises. Klaus Veretout, hein. Moyenne. Il est encore trop tôt, tu m'étonnes. Mise à jour des blessures. Bah, Rongier qui est déjà dans le rouge. Bah, du coup. Bah, il est rongé, je le vois là, mais. Bah, je sais pas où il est, mais bon, d'accord. On va mettre gay. Non, mais attends. Hein. Ah oui, d'accord, c'est bien dispo parce qu'ils sont. Oh là, mais c'est de la. Oh, mais c'est de la merde ce filtre!
Non, mais mettez-moi les mecs qui sont pas forcément payés. Pas que les joueurs en prêt. Ouais, mais si. Ouais, mais les prêts qui sont. Mais oui, mais qui sont en prêt, mais pas chez moi. Enfin, réfléchissez, bordel. Ouais, mais. Allez, c'est bon. Tu me rends fou le jeu. On va mettre tout le monde, tiens. Vu que c'est un match amical où il n'y a pas de règles. On va mettre même Blanco. Blanco, il est comment? Ouais. Il est encore un peu jeune hein, pour un gardien. Oh, mec, ça me casse les couilles qu'il soit parti, putain. On peut pas le rappeler? On peut pas le rappeler de. Je sais plus comment on fait pour. Putain, tu peux pas le. C'est où le truc pour le rappeler, bordel? Ah, rappeler de près. Les 28 premiers jours, ok. Ah, vas-y, on pourrait peut-être le rappeler après. Attends. De près. Peut jouer en coupe, peut jouer contre son équipe. Option d'achat. Oh, 7 millions, mais quelle horreur! Mais non! Eh non, on peut pas le rappeler de près, hein. T'as pas fait ça! T'as pas mis une option d'achat à 7 millions! J'ai envie de le buter. Alors, je sais pas qui c'est qui a eu cette idée à la con, mais j'ai envie de le buter. Présentez-moi au joueur. Ouais, je souhaite saisir cette occasion pour me présenter personnellement en tant que nouveau entraîneur de l'OM. Ouais! Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite la bienvenue. Je vous assure que nous avons impatience de pouvoir travailler à vos côtés. Alors, souhaite partir avec une offre digne de ce nom. Nous avons de nombreux joueurs prometteurs. Je m'engage à leur donner. Non, staff, je cherche à améliorer l'équipe technique. Enfin, ouais, ça c'est vrai, ça. Je suis peut-être à ça à penser ça, mais on sauve pas les couilles, frère. Ah. Et eh ben je crois que j'ai. En fait, j'ai rien à vous promettre, bande de cons. Ah, ça me va, voyons, aucun objectif pour la saison. Alors, pour la saison. J'estime que nous avons moyen de nous qualifier pour l'UEFA Champions League. Et c'est l'objectif que nous devrions nous fixer. Ah, c'est le genre d'objectif qu'il faut tous fixer, c'est bien, bravo, bravo. On va faire les mains levées. C'est exactement le type de réaction que je voulais, voilà. Je pense également que nous devons tenter d'aller le plus loin possible en Champions League. Bonne figure ou bonne figure? Ça me paraît bien. Bah, très bien. Je veux également que nous reposions la Coupe de France. Je veux la finale. Ça me paraît bien. Ah bah, c'est très bien. Je suis satisfait de votre adhésion au code de conduite. Le code de conduite semble convenir. Je pense pas que ça changera grand-chose. Bah, c'est très bien. Et bah, voilà. Des bisous tout le monde. On s'aime tous, voilà. Je fais remonter un peu le moral. C'est très bien. Eh ben, c'est très bien. Je vais attendre une promesse. Aimerais son équipe de. Ouais, ben, c'est déjà en train de se faire, donc. C'est déjà en train de se faire. Oh! Eh ben, on commençait par un premier match. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Planifier l'entraînement dans staff. Stuff. Stuff. Et il est blessé. Ah, ça commence bien. Ça commence très très bien. Ça commence très très bien. C'est qui? Adari. C'est qui? Ah, il joue en OM2. Règlement du fair play. Japan à rencontre des médias. Ah, faut assister à la conférence de presse. Il y a One Football, il y a France Football, il y a Foot Mercato, il y a Marseille Football, il y a RMC Sport, il y a l'équipe TV, putain, Sport France, la Provence, football.fr, mais c'est trop bien, j'avais jamais remarqué qu'il y avait les vrais. Alors, question de France.fr. Tout d'abord, Manu Pietrus, que sentez-vous maintenant que vous êtes officiellement le nouvel entraîneur de l'OM? Bah, en vrai, je suis en train de me pisser dessus, mais. Et prêt à écarter. C'est un privilège d'avoir rejoint ce club. J'ai de grandes ambitions pour cette équipe.
Vous venez d'être nommé entraîneur en tant que fan de ce club, et c'est un rêve devenu réalité. Bah ouais, pas qu'un peu, hein. Ça fait des années que vous en avez. Pensez-vous que le budget nécessaire pour recruter les joueurs dont vous avez besoin, ou allez-vous demander à votre propriétaire Frank McCourt de mettre davantage de fonds à votre disposition? Je vais frapper du poing sur la table et je veux dire, j'ai un budget à ma disposition avec lequel je suis prêt à travailler. Vous parlez plusieurs langues, ce qui est positif dans le football aujourd'hui. Yes, I do. Yavol, yavol. Yavol, je parle plusieurs langues. Je me demande dans quelle langue répondre. C'est vraiment une très bonne chose. L'effectif de l'OM possède-t-elle, selon vous, suffisamment de qualité? Ah, c'est la concurrence. Je connais pas d'entraîneur qui soit, on va dire ça. Ah, ça y est, ah, j'ai réussi à dire. Tu dis du mal des autres. Je suis content. Avez-vous une idée précise de ce que ressentent les joueurs de l'OM suite à votre renomination? Bon, ils sont contents. J'y vu rapidement, je sais très bien qu'ils sont contents. Quelle est l'importance des supporters dans le. Ah, bah, c'est. Hey. La chance d'avoir des supporters qui nous soutiennent contre vents et marées. Et ça, putain. Et ça, bordel de merde, que c'est vrai. Ils sont associés à ce club. Ah, chaque année, chaque équipe a besoin du soutien de ses supporters que nous. Et nous ne faisons pas exception. Il est important que nous soyons unis. Il va falloir que je fasse de mon mieux pour que tout le monde s'investisse collectivement dans l'avenir du club. Leur espèce se mérite et je vais tout faire pour gagner leur coupe. On va faire ça. On va dire ça. Jusqu'où pensez-vous que ce club puisse aller au long terme? Nous souhaitons être le meilleur possible. Comment abordez-vous l'entraînement au quotidien? Bah, en fait, je m'en bats les couilles parce que je m'occupe pas d'entraînement en fait. Si je m'attends à un certain niveau d'application d'appartement, il n'y aura aucune exception. Quelle est l'importance du joueur que. Ah, Odeur! Ah! Ah! Le sujet qui fâche. J'ai l'effectif de grand talent, voilà. Son bataille de capitaine, bien entendu. Bien entendu. De quel poste estimez-vous besoin de renforcer votre équipe? Bah là, c'est pas tout de suite. Là, c'est pas tout de suite. Sans commentaire, c'est pas tout de suite en fait. Là, pour l'instant, ça va. Comment décrivez-vous votre système s'agissant de la gestion des joueurs? Je veux que chaque joueur sache qu'il peut venir par un bon moment. Il peut que j'intervienne de temps en temps, mais dans l'ensemble, je préfère établir un lien de confiance. J'ai tendance à considérer les joueurs comme des adultes et j'attends d'eux qui s'en comportent comme. Ouais, tiens, voilà. Oui, c'est vrai. Malgré toutes les prestations et les défis du talent, l'équipe de l'OM n'a pas gagné grand-chose récemment. Espérez-vous pouvoir inverser cette tendance? Voilà, tout le monde jugé, voilà, content. Aucun rapport, ok. Oh là. Parfait. Parfait, parfait. Un nouveau défi. Choix de l'équipe pour l'amical. Comment souhaitez-vous répartir les joueurs, les effectifs de. Ouais, premier versus. Non, qui première versus. Voilà, réserve. Voilà, parfait. Parfait, parfait, parfait. Wouah! Ah oui, il y a quand même eu. Non, j'ai peut-être rien dit. J'ai cru qu'il y allait y avoir du mieux, mais non, j'ai peut-être rien dit. Attends, peut-être. Oh, est-ce qu'on met les supporters? On n'est pas les supporters, c'est le premier match. Hein. Aussi, forcé.
Forcé à jouer de mauvais pieds. Oh, c'est quoi cette musique? Attends. Voilà. Et quand tu veux, tu te lances la musique. Voilà. Oh non, non, j'ai quoi cette musique de. C'est quoi cette musique de merde? Attends, parce que, apparemment, c'est compliqué apparemment de demander des trucs simples. Bon, on va mettre ça, écoute, hein. C'est de la merde, mais écoute. J'ai pas mieux sous la table, là. Hein. Sous la table. Putain, plus on entendait rien, puis c'est pire. Voilà. Allez, c'est parti! Forcer à. Ouais, bah, si... Oui, bah si tu veux. Si tu veux. Alors. Pointé du doigt. Il y a des places en jeu. Tout le monde s'en bat les couilles. Très bien. Vestiaire. Ah ouais, en fait, je m'occupe des deux. Ah ouais, d'accord. Ah oui, je comprenais pas ça comme ça, moi. Mais ça me retourne le rythme et voilà ma place. Voilà. D'accord. D'accord. Ouais, c'est bon, ignorer, hein. Ouais. Alors. Ralenti avec. Caméra TV. Vitesse d'effilement pendant les temps forts moyenne. Diffusion texte, on s'en fout. Inversé. Caméra. TV. Ok. Oh là, le jeu, il rame un peu, non? Oh là, attends, le tout, hop. Oh là le jeu, attends. Merde. Y a pas de. Non, on peut pas. Ah, scheisse, toutes les France. Ah ouais, non, on va mettre moyen, voilà. Par contre, s'il te plaît, tu me mets en 60, quand même, n'est pas. J'ai tout rendu, non, mais s'il te plaît, voilà, 100. Fiche accro du style 45 pour chaque période. Bon. Activer clignotant des commandes, non? Afficher commentaires. Les noms des joueurs pendant le match. Oui, je veux bien. Afficher les commentaires de match en noir et blanc. Oui. Afficher les chronos, voilà. Ok, confirmé. Voilà. On voit pas grand-chose, hein. On voit pas grand-chose, attends, si je zoome. Voup! Voilà. Ok. Jigo qui récupère, qui passe. Mbemba qui essaie de tirer et c'est au-dessus, largement au-dessus. Mini résumé. On va mettre mini résumé. Ok, Tavares, Bailly qui passe à Mbemba. Mbemba qui. Oh, joli. Joli ballon. Long ballon. Oh là là, joli. Très très joli. Non, très bien. Consigne. Motivé. Non, félicité. Non, très très joli. Claude. Alexis qui est vraiment vraiment au bord de la ligne rouge. Mais non. Très très bien. Centre parfait. Bailly qui passe à Lopez. C'est quand même pas fluide, je trouve, hein. Ah, c'est parce que j'ai mis un poil. Ok, paillette qui.
Ouais, bon, on va les enculer en fait. Je pense même qu'on peut mettre en moment clé, hein, parce que je pense qu'on va les surdominer. C'est pas mal. Gendouzi qui passe à Bailly, Bailly qui passe à Mbemba. Ouais. Klaus qui part. Ouais, qui part tout seul. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bah, c'est bien. C'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Bon, bah. Ok, Tavares qui défend. Oh là là, oh là là, oh là, bah alors qu'est-ce qui s'est passé? Quel? Ah ouais, personne le presse! Oh! Ouais, mais les gars, en fait, si. Ouais, attends, il y a un petit problème. Il y a un petit problème. Non mais faut, ouais, faut stopper. Voilà. C'est concentré. On va tenter ça comme ça. C'est la défense qui est importante, hein. Très bien, Tavares. Très bien. Ah, c'est dommage. Il pleut à Marseille. Payet qui centre. Corner. Et c'est. Ouais, Guendouzi qui récupère. Qui centre de loin et qui a servi à rien. Je sais pas pourquoi il a fait ça, ce con. Veretout. Oh là là! Six, 7, 6, 7. Ok. Oh, attends, j'ai pas compris. Oh, attends, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Attends, ok. Payet, ok. Il la repasse à droite. Qui nous dit après, il la repasse. Ah non, il la passe à Mbemba, qui la repasse. Ah oui, c'est une tête. Eh ben, c'est une tête. C'est une tête de Gerson. Voilà, 31 minutes, ouais. Est-ce qu'on pourrait même pas mettre fin à ce match? Je crois pas, hein. Putain. Ah, c'est chaud. Commentaire seul, hein. On va peut-être même commencer à faire des remplacements. On va mettre du Romain Blanco. Aminarit, on va essayer à la place de Payet. Harit qui devait être le remplaçant de Payet. Hein. Oui, ça reste non. Par contre, ouais, j'ai bien envie Dieng. Tester Dieng. Bien. Balerdi. Balerdi. À la place de. À la place de Bailly, j'ai envie de voir. Par contre, non, attends, on va remettre. Ah, apparemment, on a remis un but. Alexis Sanchez avant de partir, très bien. Oui. Mi-temps, vestiaire. Voilà. J'ai remis en compte. Non, moment clé, ok. Consigne, ok.
Bon, le match, on l'a pas volé, hein, on est G de 3. Oh là, oh là, oh là. Voilà. Ok, bien. Allez, là, faut plus presser. Non, là, fallait plus presser. Non, là, c'était pas bien, là, par contre. Ah, c'était pas bien du tout là. Comme stopper, la défense poussera devant une défense effectuera. Ouais, bah ouais, c'est ça le problème. Ouais, tu sais plus, un truc comme ça. Qui fait absolument rien, j'ai rien dit. Ça apprendra à ouvrir ma grande gueule, tiens. Veretout. Ouais, c'est vraiment une passe avec beaucoup de chat. Hein. Ça, en vrai, jamais tu le fais. Hein. C'est un peu une passe à la FIFA. Hein. Ok, Harit. Ça, c'était pas. Oh là là, mais non, mais ne forcez pas, les gars, ça a rien. Là, c'est forcé pour forcer, là, ça sert absolument à rien. Hein. Ok, on va peut-être faire des remplacements. On met Pape Gay, hein, parce qu'on a rien d'autre. Tout Tavares qui est mort, on va mettre Kolasinac. Malheureusement, on a personne d'autre. Chigo qui est mort. Bah, on va mettre Bailly. On peut pas. Non, on peut pas. On va peut-être baisser un peu la tension, parce que ce serait quand même dommage qu'il... Putain, je ne sais plus où... Merde. Voilà. Oh, faut pas non plus qu'il le... Qu'il se fatigue pour rien. Ok. Bon bah Alexis Sanchez est vraiment impressionnant, hein. Y a pas à dire. Blanco aussi qui a été pas si mal, hein. 6-3, ah non, 6-3, bien. Toute façon, il y a les matchs de... Il y a les matchs de... De préparation. Ok. Ah, est-ce que ça a confirmé ce que j'ai... Ok, parfait. Ouais, c'est pas si mal, hein. C'est pas si mal, hein. Pas être, on pourrait même faire en jouant en attaque en soutien attaque, hein. Presque, hein. Ok. C'est quand le prochain match? Alors attends, faut qu'on regarde le calendrier. J'aime pas ce calendrier. Tu peux me mettre le normal, s'il te plaît? Attends, c'est où? Je vais y arriver. Bah, tu vas me laisser. Ouais, calendrier, ouais. Ça, c'est un vrai calendrier. Merci. Donc, ça, c'était. Donc, nous sommes le mardi 5. Ok, donc 6, 7. Ok, match, réunion de recrutement. Ok. Ok, 19. Ok, très bien.
Oh. Oh, ce mal de crâne, bordel. US Créteil, ok. Ils nous ont dominé, ok. Après, c'est un match avec l'équipe 2, hein. Ça... Très but d'affectation au recruteur. Bah non, c'est moi. Répondre. Y compris les jeunes. Voilà. Faut pas s'embêter. Ah, c'est pour ça, non? Ok. Gardien, on n'a pas besoin. Joueur n'apparaîtra plus dans vos recherches, ne sera plus recommandé par le recruteur. Non, bah ok, vu. 29 ans, trop vieux. Pas besoin d'un gardien. Milieu de terrain, 29 ans. MDMC. Trop vieux, pas très bon. Trop vieux. Milieu de terrain, argentin. Elle ne peut toujours suivre les consignes de marquage. Whew. 24 ans. Ça serait pas mal ça. On va ajouter dans la sélection. Ailier, pas besoin. Non, tu peux même le virer. 32 ans, trop vieux. Trop vieux. Pas assez bon et trop vieux. Oh. Intéressé, très intéressé. Ouais, non. Avant-centre. Pas besoin. Arrière latéral de 27 ans. Qui joue à Brest. Ah, mais il a 27 ans. Hein. Débutatif pour un transfert. Très intéressé pour un prêt. Faut rajouter dans le 31 ans. Non plus. Ça, c'est pas mal, ça. Comparé à... Non, mais à un joueur du... Comparé à... Klaus, il est où, Klaus? Jonathan Klaus. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Discuter avec l'agent. Je pense que le deuxième jour, on s'en bat les couilles, parce que je voudrais peut-être le prendre en prêt. Ouais. Souhaite un cercle compris entre eux, ça, c'est pas un problème. Les éléments les plus importants de l'équipe. Ouf. Ouais, je pense que c'est un peu mort. On va quand même le garder dans la sélection, mais je pense qu'on va pas le, on va pas le prendre tout de suite. Et il est de 28, de 26 ans. Non. Non. Non.
À surveiller. Pour la surveiller, ok. Ortega vers l'OM, ok, accepté. Ça, c'est les... c'est le staff. Verretou blessé, un ou deux jours, que c'est un petit hématome au pied. On va y suivre une formation, voilà. C'est de la merde, ces musiques, je suis désolé, mais... Oh, c'est de la chiasse, hein! C'est mieux quand même. Ah, c'est quand même mieux. Ok, Toulouse. Souhaite un prêt. Ok. Préféré Orléans. Ouais, bah écoute. Ah, bah, pas très bien. Très bien, très bien. Titulaire régulier, bah très bien. Tu peux pas un petit 100%, tu peux pas. Bah voilà. Très bien. Ok, accepté. Accepter. Demander, voilà. Autant qu'ils parlent de la même langue que nous, c'est près pas mal. Voilà. Puis demander des petites recrues en même temps. Pourquoi? La kiné supplémentaire. Bah, pourtant. Pourtant, on a fait. Quel connard! Putain, mais quel connard! Voilà. J'ai pas mis la responsable des kinés, c'était pour ça. Conseil pour Lausanne. Ce niveau de l'assurer. Ah oui, il faut peut-être faire tourner un peu, ouais. T'as pas tort. T'as pas tort là, le castor. Qui c'est qui en manque? Suarez? Ouais, bah on va faire juste Suarez, hein, même si je c'est un peu triste. Ah oh, ouais, mais lui, il sert à rien! Ouais, lui. Malheureusement. Ah oui, il a pas de potentiel, ouais. Oh là là. Voilà, attends, qui c'est qu'il y a en équipe 2 qui pourrait peut-être un peu jouer Ça, faut que ça parte en prêt tout ça, faut que ça parte en prêt. Lui, il est parti en prêt, lui. Faut que ça parte en prêt tout ça. Voilà. Ah, il n'y a personne, hein, c'est ouf. Il hein. N'y a pas de niveau de jeu, non. Force préférée d'entraîneur. Ah d'accord, c'est d'accord, ok. Non, c'est bien. Il y en a eu 19. Hein. Ouais, ça aussi, il faut que ça parte en... Ah, on va envoyer en prêt tout ça. Ça aussi, ça aussi.
peux envoyer en transfert, non? Ce serait cool. Ça. Attends, ça. 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 Transfert, dispo prêt. Voilà. Ouais, pareil en équipe, rien, y a pas de niveau. Hein. C'est Tristounet. Ok. Demander qu'on signe une recrue. Donc, ok, donc nous étions. Bilal Nadir. T'as pas le niveau, je suis désolé mec, hein. Payet, Gerson n'est pas encore chaud. Bailly non plus. On va tenter comme ça. On va tester comme ça. De toute façon, on fera pas mal de remplacements. Hein. C'est le but de. Ah non! Joueur de rotation, joueur régulier. Ok. Très bien. Alors, qui c'est que c'est Bamba Dieng? Oh là, par contre, non. La Bamba, non, 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 non. Dans la vraie vie, je bien te. Non. Avertir. Peut-être pas critiquer le comportement. Merde, tu peux pas. Non, tu peux pas, merde. Pareil, Lopez, non, c'est pas bien. Hein. Ta gueule. Ah si, il faut assister à Ridley. Ok. Pff, on s'en fout, ouais. Statue. Si tu veux. Alors, aussi récapitulatif. Ajouter liste de prêts car un potentiel correct. Non. Non, 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 non. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Vous êtes prêt? Oui. Alors, nous devons rechercher les joueurs dans cette tranche d'âge afin d'aider à atteindre. D'accord, si tu veux. Nous devrions rechercher les joueurs dans cette tranche d'âge. 15-22 ans, ouais, ok. Nous paraissons faibles à ce poste actuellement. D'accord. Non, gardien, non, non. Voilà, t'es gentil. Voilà! Je veux partir en prêt. Capri, c'est fini, joueur important, ok. Et bah très bien, part au Restart. Tu es régulier. Ouais, c'est bon. El-Assar Mohamed, 80, fin joueur accepté. Ou plus affiché, merci. Joueur important, milieu offensif droit. Bien qu'une unité formidable pour la grâce, mon client vraiment l'osque.
Ouais, bah écoute, on n'a pas tout ce qu'il nous faut dans la vie, hein. En plus, le LOSC, quoi. Quand c'est le LOSC, allait te prendre toi, quand même, hein. Je pense que nous devrions réfléchir sérieusement à l'offre plutôt qu'à un transfert définitif, car je ne souhaite pas vraiment vous perdre. Et c'est absolument pas retenu à ces grâces de du noz qui vous parlait pas sur la vie! Ah bah. Ah non, t'es sûr. Désolé, mais je dois faire mes propres intérêts avant tout. Eh bah écoute. Si tu veux faire tes propres intérêts, mon gars, y'a pas de soucis. Y'a aucun souci. Voilà. Ça te fera les pieds, fils de chien. C'est ouf, hein. Le mec, il peut. Il je lui dis, tu pourras peut-être jouer en équipe première. Non, il va être au LOSC. Je vais chez ces cons Lillois. Je vais aller voir les dogs. What de réception. Ah, il est déjà 22h06. Est-ce qu'on commencerait pas à faire une petite pause? Non, ça fait déjà 2h03 que je stream. On n'a rien fait. On n'a rien fait. C'est oufissime. Non, vous savez quoi, on va s'arrêter là, voilà, on va sauvegarder. On continuera une prochaine fois, sauvegarder la partie. Voilà. Je pense que 2 heures, c'est déjà pas mal. Voilà. Et ben à la prochaine, les gens.